Et le départ est donné pour un grand temps fort, le prix Montgomery. C'est un nouveau groupe, un groupe 3, avec un départ en net retrait de l'un des favoris, c'est Droplight, qui n'est pas parti aussi vite, hein, qu'à l'occasion de sa victoire dans le prix Violon 2. Il est peut-être même déjà hors course, Droplight, coup de théâtre, dès le départ, puisque Droplight, hein, qui a rendu plusieurs longueurs au peloton, eh bien, est en mauvaise posture. C'est The Golden Boy, le numéro 4, qui a pris le meilleur pour se diriger dans quelques instants vers la première difficulté. En deuxième position se trouve Galopin de Balme devant Doudingue et Sam Park. Gloris, le favori, est en léger retrait aux côtés de Ronnie Stavel, devant également le numéro 3, Je deviens moi. Guardamar est à l'arrière, tout comme Irjaas et Toutaf, alors que Droplight va être arrêté. Incroyable, un coup de théâtre énorme au départ du prix Montgomery, le deuxième favori de la course qui rate un peu son départ et qui est tout de suite arrêté. C'est difficile ce qui vient de se passer pour les preneurs de l'un des favoris Droplight hors course. Ils sont donc encore 10 en lice dans ce prix Montgomery avec The Golden Boy qui montre le chemin au commandement, donc avec en deuxième position Galopin de Palme. On retrouve au troisième rang Sam Park, Gloris est quatrième à la hauteur de Doudingue. Derrière cela, il y a Irjaas qui patiente à l'arrière du peloton comme Rodmix, Tavel, Guardamar et Toutafs le long de la corde. The Golden Boy qui imprime toujours le tempo en tête devant Sam Park, devant également Doudingue, avec derrière les premiers Galopin de Palme. En léger retrait se trouve le favori Gloris qui patiente à hauteur de Rodmix Tavel devant Je deviens moi, Irjaas et Guardamar, alors que Toutaf, le numéro 6, est en dernière position au moment où ils viennent de mettre le clignotant à gauche direction le 8. The Golden Boy qui a les commandes avec en deuxième position Galopin de Palme. Au troisième rang tout près Sam Park qui épaule Doudingue devant Gloris et Rodmix Tavel qui suit au cœur du petit peloton. Guardamar, son compagnon d'entraînement, venant juste derrière elle avec Je deviens moi. Irjaas est avant-dernière et Toutafs reste dernier. L'Auxerre, le Golden Boy qui a le meilleur, Sam Park est au centre, Doudingue à l'extérieur. Galopin de Balme, le gris, est toujours à la corde devant son compagnon d'entraînement. C'est le favori, le numéro 2, Gloris, casaque noire, manche rouge. Je deviens moi est à l'extérieur. Rodmix Tavel à ses côtés. Chute de Galopin de Balme qui a fortement gêné d'ailleurs son compagnon d'entraînement, Gloris, qui a rétrogradé au dernier rang. Eh bien, nouveau coup de théâtre dans ce prix Montgomery avec un autre concurrent qui est hors course direction le tournant de Passy. The Golden Boy qui mène donc avec Sam Park et Doudingue en 2 et 3e position. Rodmix et Tavel évolue en 4e ensuite. Un petit peu plus loin, on retrouve Je deviens moi, des gens qui discutent aux avant-postes, qui font un peu le point sur ceux qui sont encore en lice, qui se demandaient si Gloris était toujours là. Oui, il est toujours là le favori, il est en dernière position côté corde pour traverser la boulevard faute de Sam Park. Et derrière, il y a donc Guardamar qui attend son heure, Toutafs et Gloris. Est-il sorti de la course? En tout cas, pour le moment, il est au contact en dernière position. La route est encore longue puisqu'il y a encore un peu plus d'un tour à parcourir et notamment le Ridey Chain Fence à négocier. The Golden Boy, lui, n'a pas perdu le meilleur depuis le départ. Sam Park est bien placé, tout comme Doudingue. Je deviens moi qui est en quatrième position à la hauteur de Rodmix Tavel. Guardamar a choisi le chemin de la corde. Gloris, le favori, profitant de son sillage pour revenir se placer bien en course. À l'arrière-garde, il y a toujours Irjaas et Toutafs. Rivière des tribunes, The Golden Boy, Doudingue, Sam Park qui parfois connaît des hésitations, ça s'est bien passé pour lui, c'est bien passé pour les autres, même si Doudingue a perdu un ou deux rangs. Notez que le numéro 5, Galopin de Balme, poursuit sa route en liberté. Baptiste Dubourg est en train d'essayer de se relever au moment où les autres concurrents filent maintenant vers l'allée du pavillon. Et le favori est parfaitement revenu en course, hein, à la faveur d'un magnifique saut à Rivière des Tribunes. The Golden Boy, lui, a toujours les commandes associées à Félix De Gilles. Direction le tournant d'Auteuil. Je deviens moi est venu se positionner deuxième devant Rodmix Tavel. Sam Park qui revient derrière les premiers. Doudingue et Gloris qui sont également derrière les animateurs. À l'arrière, Guardamar, Irjaas. Et toujours le même au dernier rang, c'est le 6, Toutafs. L'open ditch du tournant, attention, ils vont se diriger bientôt vers la piste extérieure des Steeplechase. Pas de quoi faire peur à Félix De Gilles qui a toujours le meilleur avec The Golden Boy. En deuxième position, Je deviens moi, qui est plutôt cool aujourd'hui avec à sa hauteur Rodmix Tavel qui vient le long de la corde. Sam Park est 4-5e comme Doudingue et Gloris, tous très groupés. Irjaas se rapproche en dedans, Guardamar se retrouve en avant-dernière position mais tout près à deux longueurs de Toutafs. Longue portion plate à présent avant d'aller négocier le plus gros morceau de cette épreuve. Le plus gros obstacle de l'hippodrome d'Auteuil, c'est le Ridey Chain Fence, le juge de paix. Golden Boy à l'avantage devant Je deviens moi, Doudingue, Irjaas et Sam Park. Favori Gloris qui revient en reculant et chute du jockey de Guardamar.
Le numéro 10 est désormais hors course. Et on a vu Gloris venir un peu en reculant sur le Reidich. Ça paraît compliqué quand même pour le favori du prix Montgomery. Les autres vont vers le moyen Open Ditch. Golden Boy qui a toujours les commandes. Mais à son extérieur, Je deviens moi semble aller en roue libre. Ronnie Stavel tout près. Sam Park qui revient. Toutafs qui n'a rien fait du parcours. À plus de 60 contre 1 qui vient côté corps. Dirjaz, Doudingue et Gloris à leur extérieur. De Golden Boy qui a toujours les commandes. Je deviens moi qui est en deuxième position à la corde. Rock Mix Stavel. Dirjaz qui vient en léger retrait des animateurs. Toutafs après avoir longtemps patienté commence à se rapprocher. Sam Park vient à l'extérieur. Gloris est déjà très sollicité à l'arrière-garde. Doudingue, le numéro 11, commence à perdre le contact. Entrée du tournant final de Golden Boy qui va tenter de le faire de bout en bout. Je deviens moi qui va essayer de sauver les meubles pour l'écurie Nicole qui passe en tête. Dirjaz est troisième devant Rodnick Stavel. Toutafs qui est en train de s'annoncer également. En revanche, Sam Park et Gloris sont en difficulté. Encore deux obstacles à franchir. Je deviens moi, le numéro 3, vient accélérer sous l'impulsion de Gaëtan Mazur, son partenaire. Il semble avoir les choses bien en main. Mais Dirjaz maintenant se lance à sa poursuite. Deux concurrents qui vont maintenant s'expliquer pour aller sauter la dernière haie. Je deviens moi qui a l'avantage. Dirjaz qui est la seule à pouvoir mettre en doute la supériorité du cheval de tête qui fait tomber son jockey. Incroyable. Encore un rebondissement terrible dans le Montgomery. Dirjaz maintenant, que peut-il lui arriver? Elle a l'avantage nettement sur Rodnick Stavel et Sam Park qui est troisième. Dirjaz qui va faire un numéro. Bénéficiant de quelques événements, mais en tout cas, elle a été grande aujourd'hui, la pensionnaire de Marcel Roland, qui s'impose avec Louis Philippon dans le prix Montgomery. Rodnick Stavel est deuxième, la troisième place pour Sam Park devant Toutafs et Gloris.